Les questions à choix multiples, réponse unique. C'est un type de question très courant. Nous allons donc prendre un exemple dans la partie Votre identité. Il faut donc se rendre dans la rubrique 4, Votre identité, et on va essayer de rajouter une question. Pour rajouter une question, il suffit de cliquer sur le plus, le symbole plus. La question va se positionner, alors peut-être pas au bon endroit. Il suffira alors de la déplacer. Donc on clique sur les petits points, ici horizontaux, et on descend la question au bon endroit, dans la bonne rubrique. Donc votre identité, voilà. Et là, on va placer des questions socio-démographiques. Donc la question que je veux placer, c'est une question à choix multiple, réponse unique. Donc je vais maintenant donner un libellé. Quelle est votre situation matrimoniale? Nous allons à présent mettre les différentes modalités de réponse. La première, ça va être célibataire. La seconde, ça sera marié. On va mettre en parenthèse E. La troisième, vivant maritalement. La suivante, veuf ou veuve. Puis divorcé. Séparé. Et puis, je vais rajouter une modalité autre, tout simplement. Donc après séparé, on va mettre ajouter une modalité autre, qui va permettre de mettre d'autres choses comme pacsé ou peut-être d'autres petites choses. On va essayer de voir ce que donne ma question lorsque je suis en aperçu. Je clique sur l'œil. Donc là, je suis sur la question 1, suivant. La question 2, c'est aimez-vous le chocolat? Elle est obligatoire, donc je suis obligé de répondre. Suivant. La page 3 est vide et j'arrive à la page 4 sur laquelle j'ai ma question. Quelle est votre situation matrimoniale? Avec un petit point d'interrogation, ça serait peut-être mieux. Puis les différentes modalités de réponse. Je peux fermer. Je quitte la page, je rajoute mon point d'interrogation que j'ai oublié, et ma question est faite.